Matin, tout le monde, bienvenue à tous ceux qui euh, se joignent à nous ce matin. Je suis euh, vraiment content d'être avec vous, de continuer ces dévotions matinales. Écoutez, vous êtes encore plusieurs des dizaines et des dizaines à nous suivre euh, matin après matin. Puis euh, je suis vraiment content de pouvoir continuer ce matin dans euh, notre nos études qu'on fait sur les paraboles de Jésus. Et euh, les paraboles de Jésus ce sont vraiment. Euh, sont vraiment intéressantes, sont vraiment pertinentes, puis euh, parfois sont dures à comprendre. Des fois, on comprend pas trop euh, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais euh, des fois, des fois, euh, fois c'est plus simple qu'on pense. Des fois, on essaie de trop creuser. Puis des fois, il y a même des pasteurs, des gens, des leaders qui ont essayé de trop creuser puis mot à mot, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi toutes les révélations essaient de nous dire Quand que des fois, c'est pas si compliqué que ça. Donc aujourd'hui, on regarde une parabole sur la prière ensemble. Donc, euh, on, va, on va lire ça ensemble et par la suite, on va étudier. Hey, juste avant, n'oublie pas de prendre ton bon café. Mmh, bon petit café des cafes ce matin. On essaie d'arrêter la caféine. Hein? Donc, euh, c'est pas bon la caféine. Hein? C'est pas bon, pas trop, pas trop en tout cas. Donc, euh, on va tourner ensemble ce matin. J'espère que vous avez votre Bible papier. Moi, j'ai ma Bible papier. Je marque toutes mes notes dedans. Là, je ne sais pas si vous voyez. Sûrement, vous ne voyez pas, mais toutes mes notes sont dedans. J'aime surligner, j'aime écrire, tout ça. Donc, on va aller dans Luc 11. OK? On va aller dans Luc 11 et on va étudier ce passage-là. On va commencer au verset 5 à 8. Donc, euh, note parabole. D'accord? Lorsque vous l'avez, vous criez Amen à la maison. Amen! Parfait! Luc 11, verset 5 à 8. Ça nous dit. Puis il ajouta Supposez que l'un de, de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde Laisse-moi tranquille! Ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je veux pas me lever pour les donner. Je vous l'assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce qui lui a besoin. Ok. Quel passage intéressant ce matin. Puis vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, puis je veux pas m'éterniser. Euh, longtemps sur ça, mais euh, on, on, on va étudier rapidement. Et <coughs> faut comprendre quelque chose. Ça, c'est une parabole. Et lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on essaye d'interpréter la Bible, il faut interpréter la Bible dans son contexte. La réalité, c'est que lorsqu'on parle de la prière, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai souvent entendu des gens me parler et me dire, non, mais j'ai pas osé prier à Dieu. J'ai pas demandé telle ou telle chose à Dieu parce que j'ai l'impression que ma prière n'est pas importante. J'ai l'impression que Dieu a beaucoup plus d'autres choses à faire, plus importantes que ma prière. Ou je ne veux pas déranger Dieu avec ma petite prière ou ma petite demande. Et des fois, inconsciemment, des passages comme ça peuvent nous amener à euh, voir Dieu et voir la prière d'une manière négative. Comme si ce passage-là, euh, le voisin ou l'ami qui va voir son ami, et qui dit, hey, passe-moi passe des pains, j'ai un invité, tout ça, j'ai besoin de pain. Et l'autre fait comme, dérange-moi pas. Là, t'es en plein milieu de la nuit, je dors, les enfants aussi, comme, va ten on va s'en donner une nouvelle plus tard. Et parfois, on a l'impression qu'avec Dieu, c'est comme ça. Je veux pas déranger Dieu, que ce soit le jour, la nuit, l'après-midi, je ne veux pas déranger Dieu. Et et je crois que ça, c'est erroné comme manière de penser. On a l'impression de déranger Dieu tout ça. Et parfois, il y a des gens qui ont pris même ce contexte-là. Puis dire, ce passage-là, cette parabole-là, dire, ben, je ne vais pas prier Dieu parce que si ce n'est pas une bonne prière ou si ce n'est pas au bon moment, Dieu va peut-être être fâché et va dire Hey, c'est pas le temps, là, comme on revient plus tard ou quoi que ce soit. Donc, faut, lorsqu'on lit la Bible, il faut qu'on puisse interpréter la Bible par la Bible et dans son contexte. Et c'est quoi le contexte de cette Parabole-là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lire ensemble Luc 11, verset 1 à 4. Il dit Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc, il part et dit Bon, il leur répondit Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous et ne nous exposent pas à la tentation. Juste pour être certain, ceux qui disent, voyons, well, ta version c'est quoi? C'est la Bible sommaire, ok? Et après ça, il dit, puis il ajouta, supposez que l'un de vous est un ami. Il continue. Et j'aimerais qu'on aille après ça également, c'est quoi, le, il y a un contexte qui continue après ça. Au verset 9, voyez, ce que ça veut dire, Luc? 11, verset 9. Ainsi, moi je vous le dis, Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lesquels d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson, ou encore s'il si demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, donc tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demande. Donc ici, il faut comprendre qu'on fait face à une parabole de comparaison. OK Ce qui veut dire que Dieu veut prendre quelque chose de minable et rendre quelque chose de génial, OK Donc il prend quelque chose de minable comme une situation qui semble tellement comme mauvaise et il veut faire un contraste avec quelque chose qui est complètement génial et qui vient de la part de Dieu. Donc, il faut faire attention que lorsqu'on regarde cette parabole-là, on dit est-ce que Dieu se comporte comme ça Non Qu'est-ce que Jésus tente de faire C'est de démontrer une situation comme Voyons donc que ça, ça se passe et que c'est un contraste avec qui est Dieu et la personnalité, le caractère de Dieu. Donc, c'est une parabole de contraste. Et il faut apprendre cette parabole-là nous enseigne à persévérer dans la prière. Et on doit apprendre à persévérer dans la prière. Et il commence C'est quoi un peu le contexte Qu'est-ce que ça veut dire Il dit. Il euh, s'ajoute, supposer qu'un de vous a un ami qui qu'il le réveiller en pleine nuit pour lui dire Mon ami, prête-moi trois pains. Voici ce qui arrive à ce moment-là. OK Mettons-le, ça parle de en pleine nuit. À ce moment-là, dans le contexte euh, de Jérusalem, dans, dans les années comme zéro, là, dans le temps de Jésus, quoi que ce soit, euh, il faut comprendre que lorsque c'était le temps d'aller se coucher, toute la famille allait se coucher en même temps. Okay? Ce qui veut dire qu'à euh, ce moment-là, quand tu disais « bon, euh, il est tard, là, il arrive euh, 11h, minuit, il faut aller se coucher », il n'y a pas euh, quelqu'un de la famille, le mère ou la père qui dit « ah, mais ben moi j'ai du travail à faire sur mon ordinateur, j'ai du, du boulot à faire, fait que je vais continuer ça pendant que la famille dort ». Non, ça n'arrivait pas. Ou de dire que hey, « nous autres, on va aller se coucher, puis là que les enfants décident « ah, mais je vais regarder un peu la télé, je vais regarder une série ou je vais jouer à des jeux vidéo un peu avant de dormir ». Non, <laughs> ça n'arrivait pas ça. La réalité, c'est que tout le monde allait se coucher en même temps. Donc, la manière qui fonctionnait, c'est que euh, il disaient bon, c'est temps d'aller se coucher. Le père prenait ses enfants, allait euh, dans le fond, la mère se préparait, préparait les enfants, tout ça. La mère allait se coucher et, et le père a, amenait les enfants et allait porter les enfants pour dormir avec la mère. Et si la famille était un peu plus avait plus de moyens, c'est qu'ils avaient une servante. Il prenait les enfants et allait les porter à la servante. Ensuite de ça, le père de la famille s'assurait que tout était en ordre. Donc, s'assurait que tout le monde est couché, tout ça, ma femme, ma femme est en sécurité, mes enfants sont en sécurité, ma servante est en sécurité. Et, et même si euh, il commençait à ne faire tellement pas beau. Tempête d'or, c'était fou là, la tempête d'or et que peut-être où il y avait un, 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 un petit un nouveau-né, ce qui veut dire euh, peut-être euh, comme une, un bébé agneau, une bébé chèvre ou un bébé vache, je sais pas et que c'était dangereux à l'extérieur. Parfois il rentrait les animaux à l'intérieur de la maison. Donc imaginez c'est dans son contexte comme ça. Et rappelez-vous dans le contexte de, 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 de ces euh, dans, à cette époque là, les maisons avaient la majorité du temps juste une pièce. Il fallait être vraiment riche pour avoir plusieurs pièces dans notre maison. Donc, tu peux pas faire 46 choses pendant que les autres dorment. On est dans la même pièce. Donc, le père de famille s'assure que tout est beau, euh, couche la famille, rentre les animaux, ferme les portes, ferme les fenêtres. Et souvent, le père de la, fa de, de la famille se couchait entre, euh, entre la famille et la porte de la sortie. Donc, pour être comme c'est l'homme, c'est l'homme qui, qui, qui s'occupe de la sécurité, qui s'assure que rien s'y arrive quelque chose est Entre sa famille et la porte de sortie. Et donc, à ce moment-là, si quelqu'un voudrait arriver ou cogner, le père de famille intervient immédiatement. Mais dans ce contexte-là, se réveiller durant la nuit, c'était très, un peu, in pas inacceptable, mais c'était très euh, mal vu. Parce que, rappelez-vous, les enfants sont couchés, la femme sont couchée, les, les, euh, les, les animaux sont couchés dans la maison, okay? dans la même pièce. C'est une seule pièce. Ça veut dire que si quelqu'un arrive et cogne à la porte, tu risques de réveiller toute la famille, tous les animaux. Moi, je sais pas. Moi, j'ai des amis l'autre jour que je suis allé souper chez eux. OK? Et on avait un souper et il euh, y avait un petit bébé, le bébé Arnaud. Et ils sont allés coucher le bébé Arnaud. Okay? Et nous, on commence, on continue à, à souper, puis on a du fun, on jase, tout ça. Et pour ceux qui le savent, moi je suis un peu extraverti. Je fais du bruit. OK, lorsque je parle, je parle fort et quand je ris, je ris fort. <laughs> OK Et là chaque fois que je pouvais parler un peu plus fort et rire un peu plus fort, ne chut, chut, hey, faut pas réveiller Arnaud. Et c'est arrivé je pense deux trois fois, je pense que j'ai réveillé Arnaud. OK <laughs> Tellement que j'étais fort. Et les parents n'étaient pas contents. Hey, comme l'enfant bon, il a de la misère à dormir, puis là tu le réveilles là, là comme ça, marche pas, Jasmine, tais-toi, puis il était fâché après moi. Mais là, ça n'a pas duré longtemps, là, on est encore amis aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que, imaginez c'est aujourd'hui, des parents sont fâchés lorsqu'on réveille nos enfants et sont dans une autre pièce. L'enfant était au deuxième étage dans, un autre, dans, 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 une, dans sa chambre. Imaginez tout le monde ensemble. Plein dans, dans ce temps-là, il y avait des grosses familles également. Là. Imaginez une grosse famille dans la même pièce avec des animaux. Donc, lorsque, lorsque tu cognes, tu réveilles toute la famille et également les animaux. Imagine la cacophonie là-dedans. <laughs> Donc, c'est un peu le contexte qui arrive. Donc, lorsque la personne conne dit « Hey, viens donner trois pains parce que j'ai un invité qui arrive. » À ce moment-là, tu ne veux pas te faire réveiller. Et c'est pour ça que l'homme écrit Hey, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je peux pas me lever pour te donner. Je ne veux pas réveiller tout le monde. » Et voici également un, un, un contexte qui est quand même assez euh, intéressant. Donc, rappelez-vous qu'on est toujours dans une parabole de contraste. À ce moment-là, euh, l'une des caractéristiques les plus importantes de, pour le peuple, euh, à ce moment-là, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une des choses les plus importantes. Donc, premièrement, pour l'ami qui lui vient de recevoir un ami en pleine nuit, puis il dit Hey, là, j'ai un invité qui arrive chez moi, je n'ai plus de pain. Premièrement, ça, c'est un scandale. Donc, tu veux toujours avoir de la nourriture et des breuvages prêts dans cette culture-là. Tu veux toujours avoir ça de prêt pour lorsqu'un invité arrive. Tu ne veux pas que ton invité manque de rien et tu veux bien l'accueillir. L'hospitalité était très importante. Donc, donc premièrement, tu as l'homme qui reçoit son ami et fait comme, hey, ça ne marche pas, je vais pas perdre la face et ne pas bien accueillir mon invité. Donc, il va cogner chez son ami. Et même à ça, l'hospitalité, c'est de toujours également aider ton prochain. Donc, lorsque l'invité continue à, euh, continue, ben l'ami continue à cogner, 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 puis les cogner. « Hey, j'ai besoin de pain. » Va-t'en, laisse-moi tranquille. »« Non, j'ai besoin de pain. » Même pour l'homme, et c'est pour ça que ça nous dit au verset 8, « Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur. Il lui donnera tout ce qu'il y a besoin. » Donc, même pour l'homme, même pour l'homme qui est couché avec ses enfants, lui, dans sa dans tête, c'est comme « Je ne peux pas perdre la face non plus. Je ne peux pas perdre la face et ne pas aider et ne pas être hospitalier, et ne pas donner de la nourriture à mon ami qui m'en demande. » Parce que, rappelez-vous, dans ce moment-là, une des qualités premières, caractéristiques du peuple et de la culture, c'est d'être hospitalier et d'aider son prochain. Et dans un village, tout le monde s'aide. Tout le monde prend soin des uns des autres. Donc, si tu n'aides pas quelqu'un, tu perds la face. Dans ta famille, dans ton village. Et tous tes voisins le savent. Cette personne-là n'aide pas le prochain. Cette personne-là n'est pas hospitalière et tu ne voulais pas que ça t'arrive. Donc, premièrement, on a deux hommes celui qui reçoit un invité qui ne veut pas perdre la face. Et deuxièmement, as, as l'homme qui est à la maison couchée qui ne veut pas perdre la face de toute façon. Même si on cogne, hey Si on est persistant, il ne veut pas perdre la face, donc il va donner quand même les trois pains. Et qu'est-ce que ça nous enseigne là-dessus c'est qu'on doit être des personnes qui persévèrent dans la prière. Et à plus forte raison que l'homme qui est couché avec ses enfants, qui est dérangé, il va donner à son ami, combien plus forte raison que notre Père va nous donner lorsqu'on demande quelque chose. Et c'est un, un peu ce côté-là que ça, que ça nous dit. Sauf que, comme je vous dis, c'est une parabole de contraste. Donc Jésus veut nous apprendre quelque chose de minable, de dire comme hey, check l'homme qui, qui est fâché, qui est là dérange moi pas. Mais Dieu lui est toujours présent. Dieu est toujours là. Dieu on ne le dérange jamais. Et c'est ce parallèle là qui veut faire Jésus de montrer quelque chose de bas pour montrer quelque chose de meilleur qui est Dieu. Et, est une par... Et comme on dit tantôt c'est comme euh, ça démontre d'une limitation. Par exemple euh, l'homme l'ami L'homme, on est limité. Quand même même que je veux répondre à tes besoins. Quelqu'un vient me voir, «Jasmin, peux-tu m'aider pour ça?» Moi, je suis limité en, en tant qu'homme pour répondre à tous tes besoins. Mais Dieu, lui, lui peut répondre à tous tes besoins d'une façon illimitée. Dieu n'est pas limité. Donc, à plus forte raison, je vais me présenter devant Dieu. Parce que Dieu, lui, n'est pas limité. Moi, je suis limité. L'homme dans la situation qui donne le pain est limité. Dieu est illimité. On voit également un contraste dans, dans, dans le sens où comme euh, l'homme va aider son ami, mais avec Dieu, on n'est pas seulement appelé un ami, mais on fait partie de la famille. On est appelé on est appelé ses fils, ses filles. Donc à combien plus forte raison qu'on va aider un ami, mais à combien plus forte raison on va aider un membre de la famille À quel point que Dieu va répondre à ses enfants Quel parent ne veut pas prendre soin et donner à leurs enfants ce qu'ils ont besoin Combien de fortes raisons Dieu va le faire envers nous. Et donc, c'est très important de voir ce contraste-là que Jésus tente de faire. Mais que l'homme y répond, laisse-moi tranquille, arrête de cogner, je suis couché. Et l'homme, il devait persévérer, il dit, non, aide-moi, aide-moi. Et nous devons prier de la sorte, de persister dans la prière. Un test analonicien 5, 17, nous dit... Prier sans cesse, prier sans cesse. Mais là, peut-être que, donc, c'est de persévérer continuellement dans la prière. Mais peut-être que j'entends des gens me dire, ouais, mais Jasmin, tu nous dis que si on cogne et qu'on demande à Dieu, comme Dieu va nous répondre. Et c'est ce que la, le, le, le message, le, le parabole nous dit, et vraiment le, le passage de la Bible. Ouais, ouais, mais, puis de gens vont dire, ouais, mais moi, plein de fois, j'ai prié à Dieu, puis Dieu ne m'a pas répondu. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je prie présentement pour une requête de prière, je prie pour quelque chose, mais Dieu ne me répond pas. Moi, je crois, personnellement, ici, si je regarde à la lumière de la Bible, qu'à chaque fois que l'on prie, Dieu répond. À chaque fois que l'on prie, Dieu répond. Mais parfois, Dieu répond d'une manière que ce n'est pas la réponse que l'on veut. Parfois, on va prier pour une guérison, Dieu répond. Mais nous, on prie pour la guérison, donc dit Dieu n'a pas répondu. C'est pas vrai. Dieu a répondu. Et c'est là qu'il faut, même à ça, il faut continuer à persévérer continuellement. Je crois que Dieu donne tout le temps de réponse. Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être atteint. Et moi, je pense que des fois, lorsqu'on attend dans une requête de prière, on doit continuer à persévérer. On doit continuer à persévérer. L'homme est là, il moins, Aide-moi. 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 Donc, on doit cogner jusqu'à temps que Dieu réponde. Mais il faut être alerte à la réponse également. Il faut être alerte à la réponse. Il faut prier sans cesse. Et alors qu'on prie, c'est parce que la Bible nous raconte que Dieu sait déjà qu'est-ce qu'on va demander avant même qu'on lui demande. Donc, il y a des petits érudits qui vont dire, ben là, à quoi ça sert de prier quand Dieu sait déjà <laughs> qu'est-ce que je vais demander. Et c'est là que la prière... Lorsqu'on se met à prier continuellement à Dieu, ça transforme et ça place notre être, notre esprit à, à, dans une posture de recevoir la réponse de Dieu. Comme de fois, j'ai prié même des fois à Dieu pour des choses en particulier. Et au travers que je priais, ma manière de penser changeait. Puis tout d'un coup, j'étais comme, oh, finalement, peut-être bien que ma prière est égoïste. Finalement, peut-être bien que ma prière est... Euh, est, est basé sur mon orgueil. Peut-être bien que ma prière, c'est pour euh, juste mon confort personnel ou pour mes émotions personnelles. Et alors que je priais, tout d'un coup, ma prière se façonnait et tout d'un coup, je commençais à faire comme, OK, Dieu, je réalise que peut-être je ne suis pas appelé à recevoir la réponse à laquelle que je m'attends, mais je continue à prier parce que j'aimerais ça que ça arrive, mais en même temps, je suis prêt à recevoir une réponse différente. Et alors qu'on prie... Ça, ça, ça transforme notre cœur, ça transforme notre être dans une posture à être prêt à recevoir la réponse de Dieu. Donc, c'est important qu'on continue de prier continuellement. Faut prier. Faut prier. Dans Jérémie 33.3, Jérémie 33.3, ça nous dit, euh, Jérémie, invoque, ben Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai les secrets que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. La Bible est claire de, 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 du, du, du premier couvert jusqu'à la fin. Ça nous dit que Dieu veut constamment qu'on prie et qu'on soit là auprès de lui. Il dit invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des secrets. Comment de fois que moi ça m'est arrivé dans ma vie ou que même euh, encore dernièrement ou même que plein de gens viennent me voir puis qui se posent des questions dans leur vie puis ils font, Jasmine, qu'est-ce que tu penses que Dieu veut faire de tout ça Qu'est-ce que tu penses que Dieu essaie de me dire Qu'est-ce que tu penses que euh, Dieu euh, veut m'enseigner dans cette situation là et parfois, là, on va aller voir plein de gens, des amis, des leaders, des collègues, euh, aller, aller, de, des collègues de. même, On peut aller voir des collègues de travail, on peut aller voir, euh, on peut aller voir des gens de notre groupe connexion. Puis qu'est-ce que se pense que Dieu veut m'enseigner? Et la réalité, c'est que des fois, on ne le sait pas. Va voir Dieu, invoque Dieu, et il va te répondre. Il va te révéler les secrets que moi je ne connais pas. Que ton mari ou ta femme ne connaît pas. Que les gens de ton groupe connexion ne connaissent pas. Que tes pasteurs ne connaissent pas. Invoque Dieu, il va te répondre. Des fois, on est très rapide à invoquer plein de gens autour de nous, mais ne pas invoquer la personne qui donne la vraie réponse. Donc, il faut apprendre à invoquer. Et parfois, combien de fois j'entends des gens aussi qui disent, ouais, mais Jasmine, je ne chante pas la présence de Dieu, je sens que Dieu est loin de moi, je le prie, puis je l'entends pas. Ou des fois, il y en a qui disent, ben, je me sens loin de Dieu, puis il ne prie pas tant que ça. Parce qu'on voit que dans Psaume 145-18 que Dieu dit qu'il est proche de ceux qui l'invoquent. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Yeah, on, va, on va les lire com com complètement là, parce que ça dit même plus que ça. C'est vraiment bon. Psaume 145, verset 18. Ok, psaume 145, ce sera pas long. Psalm 55, verset 8, L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avec sincérité, ça veut dire, avec ce que, euh, avec, selon la volonté de Jésus, selon les désirs et les plans de Dieu. Tu es proche d'eux. Invoquons-le, Seigneur. Persistons dans la prière. Je veux t'encourager ce matin. Il y a peut-être des situations que tu as abandonnées, mais que tu dois persévérer dans la prière. Tu dois cogner. À la porte de Dieu continuellement jusqu'à temps que Dieu te réponde et que tu ne t'attendes pas à la réponse. Mais tu dis Dieu, réponds-moi. C'est peut-être un oui, c'est peut-être un non, c'est peut-être un attentat, c'est peut-être telle ou telle chose. Mais tu dois persévérer dans la prière. On doit persévérer dans la prière. Et on voit plein d'histoires dans la Bible. Dans, par exemple, rapidement, dans Genèse 18, on voit qu'Abraham intercède et demande à Dieu continuellement pour Sodome et Gomorrhe Dans Genèse 32, on voit que Jacob persévère. Il se bat avec l'ange de l'éternel et après ça, Dieu répond à tu t'es battu avec Dieu et voici on va, te, on va répondre à ta requête Exode 32, on voit que Moïse persévère à intercéder pour le peuple d'Israël dans 1 Samuel 1, on voit que Anne persévère et cogne à la porte de Dieu continuellement, Dieu donne-moi un enfant et Dieu l'exauce dans 1 Roi verset euh, 18 il y persévère dans la prière pour qu'il puisse avoir de la pluie la Bible est remplie de gens qui s'attendaient à un miracle de Dieu et qu'ils ont prié continuellement et qu'ils ont persévéré, persévéré, persévéré. La Bible, cette parabole-là, Jésus veut nous enseigner quand tu pries, oui, c'est bon que tu puisses prier, notre Père qui est aux cieux, mais va vers Dieu et persévère dans la prière. Persévère, vas-y, fonce devant Dieu jusqu'à temps qu'il te réponde. Parce que le passage nous dit. Au verset 9, « Ainsi, moi, je vous le dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui a cherché trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ça, c'est une promesse. C'est pas juste un « peut-être ça va arriver ». Non, c'est une promesse. Donc, ce matin, je veux t'encourager à persévérer dans la prière. Et jamais tu vas déranger Dieu. C'est pas vrai que tu vas cogner Dieu. « Hey, là, c'est pas le temps, là, comme, on revient demain matin. » Non. Jamais, qu'il soit au milieu de la nuit, peu importe, va voir Dieu. Va voir Dieu et persévère dans la prière. Même des fois, Dieu, lui, va nous réveiller durant la nuit. Ça vous est peut-être déjà arrivé que Dieu vous réveille durant la nuit pour dire Hey, tout d'un coup, tu as quelqu'un, un nom en tête pour prier pour quelqu'un. C'est Dieu qui veut te réveiller pour dire Viens vers moi pour prier pour cette personne-là ou pour cette situation-là. On va aller rapidement, on va juste terminer dans Philippiens 4, 6. Philippiens. 4, 6. OK. Revenez par la voix. Philippiens, 4, 6. 4, 6 et 7. Qui nous dit ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Comment de fois, même des fois, on peut se réveiller durant la nuit avec de l'angoisse, des peurs et tout ça, et on se met à ruminer, on se remet à penser à tout ça. Si tu te réveilles durant la nuit pour de l'anxiété, prie Dieu. Prie Dieu tout de suite. Commence pas à te mettre en souci, mais donne ça à Dieu. Et moi, je crois même que des fois, euh, euh, des fois, je pense même que Dieu peut nous réveiller durant la nuit. Il peut, comme ton, ton âme est en souci, ton âme ne va pas bien, ta tête, ton esprit ne va pas bien, et là, tu plein d'angoisse, plein de soucis. Il te réveille pour dire, Hey, pas que tu puisses ruminer tout ça puis ne pas dormir pendant deux heures. Il te réveille pour dire, Hey, règle ça, donne-moi ça. Envoie-moi tes prières et tes supplications, et moi, je vais te donner ma paix. Donc, j'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on prie ensemble, mais comme que ce matin, on puisse être encouragés ensemble. Qu Il y a peut-être des prières qu'on a arrêté de faire. Il y a des, 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 on a peut-être arrêté de prier pour que Dieu puisse amener une guérison dans notre vie ou quelqu'un de notre famille. On a peut-être arrêté de prier pour que notre peut-être votre enfant puisse revenir à Dieu, que les membres de votre famille viennent à Dieu. Vous avez peut-être arrêté de prier pour que Dieu puisse pourvoir un besoin que vous avez et que vous avez lâché prise. Ce matin, Dieu veut nous rappeler de persévérer dans la prière de persévérer continuellement dans la prière. Prions ensemble. Père, je veux te remercier pour euh, ta Bible qui est là, ta parole qui nous enseigne. Et, et j'aime ça parce que parfois, j'ai l'impression que tu ne me parles pas. Et la réalité, c'est que des fois, ma Bible est fermée aussi. Mais que si je veux entendre ta voix, si je veux entendre me parler, j'ai juste besoin d'ouvrir la parole parce que c'est ta parole. J'ai juste besoin d'ouvrir ma Bible parce que c'est ta parole qui est vivante et qui nous parle. Et merci de m'avoir parlé au travers de cette parabole-là ce matin. Et merci d'avoir parlé au travers de cette parabole-là à chacune des personnes qui ont écouté. Et je te prie ce matin qu'on puisse être encouragé à persévérer. Je te prie que ton esprit puisse nous révéler euh, ce matin des prières qu'on a arrêtées, des endroits où on a abandonné de prier. Des endroits où on a perdu espoir et qu'on a arrêté. Mais Père, redonne-nous la force. Redonne-nous l'espoir. Redonne-nous vraiment cette capacité-là de revenir à toi et de persévérer. Et de s'attendre à une réponse coûte que coûte de toi. Peut-être pas des fois la réponse qu'on s'attend, mais au moins on va savoir qu'on a persévéré jusqu'à la fin. Donc, merci Père pour ce matin. Continue de nous donner espoir que tu réponds. Et continue de répondre à nos prières. Et merci. Merci de ce que tu fais. Amen. Et juste vous dire, en terminant, si Dieu répond aux prières, partagez -les. Partagez -les. Partagez -les à vos prières, partagez-les. Partagez-les. Partagez-les sur à témoignage à commercialax21.com. Si vous avez des requêtes, vous voulez qu'on persévère dans, dans, qu persévère dans la prière avec, avec vous, écrivez-nous à requête à 21com euh, Mais partagez lorsque Dieu répond. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un encouragement que Dieu répond encore aux prières. C'est pourquoi, dans votre groupe connexion, dans votre famille, avec vos amis, dites-le lorsque Dieu répond à vos prières. Et ça va être un encouragement pour plusieurs. Donc, je vous souhaite une belle journée, profitez du beau temps et on se revoit plus tard. Bye.